Bonjour, moi je m'appelle Sylvie. Donc, j'ai 36 ans, mais en fait. On n'a pas besoin d'un. Non, je pense que j'ai qu'une semaine en fait. Parce que je suis née la semaine dernière, quand vous avez fait ma délivrance. Ça y est, ça. Tu es un bon mari. Amen. Je suis homme, donc je connais. Amen. Il y a des gens qui ont un problème, ils bourrent. Problème où il y a un peu d'esprit là, on ne sait pas quel moment il va venir me frapper. Donc le monsieur, au moment où il voyait sa femme, j'ai vu qu'un homme qui aimait sa femme, qui était toujours prêt, déterminé, aller jusqu'au bout. J'ai entendu comme ça ton témoignage parce que c'est pour ça qu'il a voulu que ton mari soit là. Parce qu'il était là au début. C'est ça. Voilà, il faut qu'il soit là pendant que tu rends le témoignage. Ça va? Oui. Tu es vraiment bien? Oui. Tu es bien. Viens comme un homme. Continue de la protéger. Je te bénisse. Allez-y. Donc, en fait, moi je suis née avec. Je suis née. Apparemment, j'étais mariée à un esprit. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir deux maris en France. Donc, ça fait 22 ans que je suis avec mon mari actuel. 12 ans qu'on est mariés et je vis avec ça depuis toute petite. On va dire que ça s'est déclenché devant lui, il devait avoir 19 ans. Et à ce moment-là, si vraiment j'étais pas, si je lui avais pas expliqué un petit peu avant, je pense que j'aurais fini en hôpital psychiatrique. Et aujourd'hui, je comprends que lui, c'est vraiment mon ange gardien. L'homme de ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc il a été très fort pour nous deux parce que moi j'étais pas assez forte et je pense que je me suis fait attaquer toutes ces années parce que j'étais pas assez forte, pas assez armée. C'est lui qui avait les armes et c'est lui qui me protégeait. Et donc comment j'ai connu le prophète pour avoir ma délivrance? Mon père m'a appelé un jour et il m'a dit, le 29 septembre, il m'a dit « Écoute, regarde, il y a un prophète qui fait des miracles, ça pourrait t'intéresser. » Je dis « D'accord, écoute, je regarderai ce week-end, on va voir. » Et arrivé le week-end, je me pose avec mon mari et là on commence à regarder la vidéo, une vidéo de délivrance. Et là je commence à rentrer en transe en fait. Je rentre en transe. Dès que vous avez regardé la vidéo, voilà. Les esprits sont manifestés. Voilà. Ils sont manifestés. Et donc là, c'était la panique. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire? Et de là, mon père, il a appelé au pays. Et on lui a dit, le prophète est en France. Et quand il me l'a dit, j'ai dit, bah, écoute, essaye de voir. On lui a donné un numéro de portable. Il est tombé sur sa femme. Et là, elle lui a donné un rendez-vous. Je suis venue au rendez-vous. Et on va dire que ça a pris 2 semaines et j'ai eu ma délivrance la semaine dernière. Ouais.
sang de Dieu. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la, lâche-la. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Tu vas la libérer. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Lâche-la. Lâche-la. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Sa vie ne t'appartient plus. Si? C'est ça? Sa vie ne t'appartient pas. Si? Depuis quand tu es dans sa vie? Ah, tu sais pas? Que fais-tu dans sa vie? Tu fais quoi dans ce corps? Que fais-tu dans ce corps? Que fais-tu dans ce corps? Je m'adresse à toi. Tu vas partir? Tu vas partir? Tu vas partir? Tu vas partir? Non! Si! Non! Si! Qui es-tu? Qui es-tu? Tu vas la libérer au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. 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 Non. Si. Si. Tu vas la libérer. Elle est à moi. Elle est à toi? Oui. Depuis quand? Depuis toujours. Depuis toujours. Qui te l'a donné? Tu sais pas, mais elle est à toi comment? Elle est à toi comment? Elle est à toi comment? C'est ma femme. C'est ta femme. Mais qui a célébré le mariage? Qui? Elle est ta femme. Elle est ta femme. C'est ça? Tu l'as épousée? Oui. Depuis quand? Depuis quand? Et que fais-tu dans sa vie? Tu as gâché quoi dans sa vie? Tu as gâté quoi et quoi dans sa vie? Tout, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Ses enfants. Ses enfants. Son mariage. Son mariage. Son avenir. Elle devait avoir quel avenir? Brillant. Et tu as gâché ça. Et pourquoi? Parce qu'elle est à moi. Parce qu'elle est à toi. Et pourquoi? Qui te l'a donné? On l'a donné. Qui? 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 Tu parles. Qui te l'a donné? Qui te l'a donné? Qui te l'a donné? Tu parles maintenant et tu la libères. Qui te l'a donné? Qui te l'a donné? Tu m'attends? Qui te l'a donné? Qui te l'a donné? Hey! Le feu consume tes œuvres. Tu m'attends? Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Non! Si. Le feu consume tes œuvres. Tu vas la libérer de maintenant. Non. Tu vas la libérer maintenant. Tu vas la libérer maintenant. Sors d'elle. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Sors de sa vie. C'est Jésus. Au nom de Jésus. Va. Non, elle ne peut pas être à toi. Elle ne peut pas être à toi. Tu m'entends? Elle ne peut pas être à toi. Lâche-la. Cette vie appartient à Jésus. Je suis. Oui, tu es qui? Tu es qui? Qui es-tu? Tu vas la libérer
C'est un ordre. Feu! Lâche-la! Le feu consume tes œuvres. Tu m'entends? Le feu consume tes œuvres. Lâche-la. 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 La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Lâche-la. Ce corps expérimente aujourd'hui la puissance du nom de Jésus-Christ. Son âme expérimente la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va-t'en, quitte sa vie et libère son mariage, libère sa fécondité, libère toute sa vie, libère sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas la libérer, tu vas la libérer parce que c'est un ordre. Parce que c'est un ordre. Tu vas la libérer maintenant. Lâche-la. Non. Si, lâche-la. Lâche-la, tu vas partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si. Si, tu vas partir. Tu iras au nom de Jésus. Tu iras au nom de Jésus. Le feu consume tes œuvres. Allez, lâche-la. 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 La puissance de Dieu. La puissance de Dieu consume tes œuvres. Voilà, va-t'en. 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 Je brise ce mariage maintenant. Non. Si, je brise ce mariage. Je t'arrache cette vie. Tu la libères et maintenant, par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère son âme, je libère sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je proclame ce soir sa délivrance. Jésus te libère. Si, tu iras au nom de Jésus-Christ. Thank you.
Définitivement de sa vie. Tu pars, lâche-la. Quitte sa poitrine et va-t'en. Quitte sa poitrine et pars. Cette vie ne t'appartient pas. Tu m'entends? Regarde. Lâche-la. Lâche-la. Dégage, va-t'en, va-t'en, tu pars, en libérant ce foyer, tu pars.
que nous sommes en train de faire la délivrance. Dans Jésus, ça va. Il se met.
Vous aimez danser les sutras? Non, moi je pense pas. Elle dit danse-vous.